Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de webinaire extraordinaire. Comment faire un webinaire de vente persuasif Et ça passe par les préliminaires. Je vais t'en dire beaucoup plus dans cette vidéo. Je vais t'expliquer justement les trois préliminaires clés que tu dois absolument avoir, tu vois, quand tu fais un webinaire de vente. Et si tu ne les fais pas, si tu ne passes pas par ces étapes des préliminaires, tu sais, c'est comme dans tout. Hein. Les préliminaires, tu vois, c'est un moment qui… Prépare pour vraiment avoir une expérience extraordinaire, hors du commun. Et donc, si tu veux, quand tu fais ça dans ton webinaire, tu dois faire la même chose. Tu dois absolument préparer ton webinaire. Ce n'est pas uniquement être en live qui est important. Tu as toutes les étapes qui viennent avant, tu as toutes les étapes qui viennent après. Si tu penses que ce n'est que le webinaire, le moment où toi, tu es live, où tu es enregistré, tu te trompes. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas que ça. Tu as beaucoup de choses qui se passent avant. Beaucoup, bien sûr, beaucoup de choses qui se passent pendant. Et tu as énormément de choses qui se passent après. Dans cette vidéo, je te détaille les trois points clés pour avoir un webinaire persuasif et les préliminaires que tu dois absolument faire avant. Voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gal Régnier, tu vois, je suis auteur best-seller. J'ai un livre qui est juste ici euh, qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2 qui est numéro 1 des ventes sur Amazon euh, donc en UK et euh, en Canada et Australie, on était euh, 14 entrepreneurs, tu peux nous voir à l'arrière, tu vois, moi je suis euh, juste ici, 14 entrepreneurs pour partager, tu vois, pour euh, rédiger cet ouvrage de grande qualité. Voilà, voilà. Donc toi qui me rejoins ici maintenant je vais partager ça. Euh, voilà. Voilà, voilà. Tac. La vidéo, elle est là. Je vais le partager avec... Une petite seconde. Tac, tac, tac. OK. Bim. 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 Voilà, c'est partagé. C'est parfait. Fais de même, tu vois. Je t'invite vraiment à faire de même, tu vois. Appuie sur le bouton partager. Moi, je l'ai fait depuis mon... Tu vois, mobile, c'est super facile comme ça, tu vois. Voilà, tu partages le mot à un maximum de personnes. Et tu vois, c'est important. Je vois le business, tu vois, comme, comme un jeu, tu vois. Pour, pour moi, c'est comme si c'était un petit jeu. Le, le jeu de, voilà, euh, créer une offre, aller se challenger pour aller trouver des nouveaux clients, toutes ces petites choses-là. Et ben, bah, tu vois, ce que je fais, moi, ici, c'est simple, c'est une partie du jeu. La partie du jeu, c'est ce qui s'appelle la vente. La, la vente, c'est extrêmement important. c'est… Aller chercher de nouveaux clients, résoudre leurs problèmes. C'est quand même ça, tu vois. C'est quand même un jeu où tu résous les problèmes des autres, tu vois. C'est pas un jeu où tu dois mettre un ballon au fond de défilé. C'est un, un jeu dans lequel tu résous le problème des autres. C'est excellent, tu vois. Et donc, si tu veux, moi, dans mon game, je, je t'aide par rapport à ton webinaire, par rapport à ta vente, par rapport à tout ça. D'ailleurs, il y a eu juste une vidéo qui vient juste d'être euh, diffusée sur YouTube de la part de Franck Maes euh, où il m'a interviewé au sujet de la vente, euh, ce que je passe sur scène à son événement en tant qu'expert de la vente. Donc, euh, regarde la vidéo. C'est très intéressant, très, très intéressant. Je donne des petites perles. Enfin bref, revenons-en aux préliminaires. Parce que ça, tu vois, on est là pour ça. On est là pour parler de préliminaires. On aime tous les préliminaires. Si tu n'aimes pas, mets-moi un message en dessous. Mais j'en doute, j'en doute. Voilà, voilà. Bon, tu vois, quand tu fais les préliminaires, c'est et ça encore, c'est quelque chose dont je parlais aujourd'hui euh, avec un client en consulting, euh, où il doit vraiment avoir ça qui soit… Euh, très très défini pour avoir des bons résultats et avec certains clients, enfin c'est avec certains clients, avec les clients avec qui on l'a mis en place, les mecs ont eu vraiment euh, des résultats de dingue. Laisse-moi t'en montrer quelques uns chez qui ont les amis. Euh, tu vois, premier exemple euh, avec avec Matt, avec Matt, tu vois, on a compris son client, on a su qu'il était d'ailleurs c'est la première partie tu vois du euh, du préliminaire c'est trouver son client idéal quand tu définis ton client idéal voilà ce qui s'est passé avec Matt Matt boom close à 3000 euros à l'instant suite à l'application du coaching on parlait justement au client idéal avant j'étais à 1.5k par close maintenant 3k donc ça en suivant ce que je dis le gars il a doublé son business tu vois c'est pas mal tu vois pour le pour le jeu Dans, au, au jeu on fait de l'argent avec nos business ça ce que je lui ai dit ça lui a permis de doubler ses revenus. Donc bravo, Matt. Bravo à toi. Un entrepreneur d'exception, Matt, en plus. Vraiment excellent. Voilà. Il y, y a ça. Avec qui d'autre est-ce que j'ai pu faire ça Voilà, tu vois, ça, c'est quelqu'un à qui on a fait vraiment l'aider tout au dé, début. Donc, donc, tu vois, l'en part vraiment du tout début de, de son webinaire. Il dit Merci, Gaël, pour cet échange constructif lors de notre coaching téléphonique. Tes conseils m'ont servi pour poursuivre ma progression sur la définition de mes promesses pour mon webinaire. Tu vois Définition, ça là c'était vraiment au début. Tu as un gars au top. Mika, un architecte extraordinaire. Le mec est vraiment fantastique. Le mec il, il y va au, ta au taquet. Il prend soin, tu vois. Il a femme, enfant, famille et tout. Le mec il y va au taquet, tu vois. Et ça c'est vraiment vraiment excellent. Il s'arrête pas. Inarrêtable. Ça c'est très important. Encore une fois, il a appliqué ça. Le client idéal. Donc ça, tu vois, c'est un truc qui est vital. Définir ton client. Si tu étais dans mon groupe, euh, mon groupe. C'était jeudi dernier, euh, j'ai fait un débrief complet du webinaire d'une des membres du groupe, d'une des membres de la communauté. Et la première chose qu'on a vue dès les premiers slides, tu vois, elle avait quand même un beau deck de slides, entre 64 et 80 slides, première chose dont on s'est arrêté pendant peut-être une demi-heure, c'est de trouver qui est son client idéal. Parce que quand tu parles à tout le monde, en fait, tu parles à personne. Et ça, ça tu vois ça c'est un mythe qui est absolument euh, tu vois moi qui me donne envie de gerber, tu vois. Quand les gens me disent "Ouais, moi je vends ça à tout le monde" et tu vois et quand on leur dit "Voilà, c'est ce qu'il faut, faut faire parce que tu un plus grand marché Tout ça", tout le prend pour un con, tu vois. Donc oublie tout ça. Il faut que tu sois spécifique dans ton approche. Il faut que quand tu parles à ton audience, il faut qu'elle se reconnaisse dans ce que tu lui dis. J'ai encore regardé hein, une des personnes euh, tu vois que je considère comme un mentor, c'est Frank Kern, lui J'adore absolument ce qu'il fait. Et il a dit, j'ai regardé dans son. Euh, il a un, un, un talk qui dure deux heures et c'est sur ce sujet-là c'est deviens ton client idéal. Lui dit, moi je deviens mon client idéal ça m'a permis de faire plusieurs millions, de passer de, de devenir millionnaire en argent à multimillionnaire. Et tu fais, waouh, mais c'est en faisant ce process, il a un process dont il parle, mais c'est excellent. Et c'est ça que je fais quand je suis avec mes, mes clients, et c'est ça qu'il faut absolument que tu fasses, tu vois. Il faut que tu es un client idéal. Tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Quand tu parles à personne, les gens, ils t'oublient, zap. ça, c'est la première chose. Avoir ton client idéal. Dis-moi dans les commentaires. Mets-moi un petit commentaire. Qui est ton client idéal Est-ce que toi, euh, tu as défini ton client idéal Ou est-ce que toi, tu es encore... Euh, est-ce que tu parles à tout le monde Aide-moi à comprendre un petit peu où tu en es. Et en fait, c'est pas moi que tu vas aider. C'est toi que tu vas aider. Parce que quand tu vas le mettre dans les commentaires, il y a un truc magique qui va se passer. C'est que tu vas commencer à... Euh, avoir une, une certaine ré réflexion, mais tu sais, dans, dans, dans le sens comme un miroir. Tu vas dire, OK, il m'a dit de parler du client idéal. Qu'est-ce que je sais par rapport à mon client idéal Soit tu n'en as pas pour le moment et c'est parfait, tu vois, au moins tu sais où t'en en es, tu sais où tu dois aller, tu dois en avoir. Ensuite, peut-être que tu peut en as déjà, mais peut-être qu'en y réfléchissant, c'est peut-être trop vague. Et donc, écris-moi, voilà, tu vois, ou dis oui, j'ai mon client idéal, ou non, j'ai pas encore mon client idéal. Et contacte-moi et je serai ravi de te donner un coup de main qu'on parle, le ton client idéal, c'est vital, je passe des heures à faire ça avec mes clients et eux ils kiffent parce qu'ensuite ils font, ils gagnent au jeu du business. Rodolphe, écoute, bienvenue sur le live, bienvenue Rodolphe, Rodolphe me dit, Rodolphe, Teva Barkhausen. il me dit, j'ai un client idéal, et bien bah, bravo Rodolphe, ça me fait très plaisir. Pour une info, on bosse ensemble avec Rodolphe, et si tu veux, ouais, il a un client idéal, et bien bah, ça c'est bravo, et ça me fait très plaisir, on a eu un ça va boomer, ça va boomer, donc vraiment excellent. Donc ça, tu vois, c'est la première chose. Avoir un client idéal, c'est la première chose qui soit clé. La deuxième chose, c'est de revoir ton offre, tu vois. Rends ton offre, on dit, ouais, rends ton offre irrésistible, rends ton offre irrésistible. Ok, qu'est-ce que ça signifie, tu vois On me dit tout le temps, avoir une offre irrésistible, avoir une offre irrésistible. Parce que ce que tu fais, rappelle-toi, c'est, tu donnes une offre à quel quelqu'un. Donc, c'est important d'avoir ça qui soit clair, qui soit carré. Ça doit répondre, en fait, ton offre doit être structurée de telle sorte qu'elle réponde aux objections de tes clients. Elle anticipe les objections de tes clients. Et ça, c'est un truc, il n'y a personne qui te le dit, ça, tu vois. C'est quelque chose qui est clé. Il faut que ton offre, elle soit en avant sur ce que le client va déjà se dire. Et le client, c'est simple, il va se dire trois choses. La première chose que le client va se dire, c'est, tu me racontes n'importe quoi. Donc toi, tu dois lui démontrer que ton offre répond à la promesse que tu dis. Le marketing, c'est deux choses. Tu une promesse et la tenir. C'est tout. Tu dis, ce que tu, vas, tu dis ce que tu vas faire, ensuite tu fais ce que tu viens de dire. C'est le marketing. Même en général, c'est la vie, tu vois. Tu dis ouais, je vais à Paris. Ok, tu le dis, après, bah tu vas à Paris, tu prends le star. Anyway. Donc offre, première chose, tu vois. Lui montrer que ton offre répond vraiment bien à la prom promesse. Première chose. Après, il va se dire, ok, je comprends, ça va fonctionner. Ensuite, il va se dire, oui, mais moi, je ne peux pas le faire. Donc dans ton offre, elle doit être structurée de telle sorte. Que euh, tu lui Qu'il se rende compte Que ton offre Lui permet de le faire par lui-même C'est la deuxième chose Et la troisième chose Il va se dire une fois qu'il sait qu'il peut le faire lui Ah oui moi je peux le faire Ah oh, c'est cool ouais, ouais ouais super Après il va se dire ah Ouais mais les autres autour de, de, de moi C'est eux qui vont m'influencer Je vais pas pouvoir le faire Il va parler des environnements Des contextes, des circonstances De toutes ces choses là Et quant à ça c'est quelque chose d'autre que tu dois absolument mettre dans ton offre. Une partie de ton offre, ça peut être des bonus, des vidéos, euh, ça peut être des, des, des PDF, des e -book, peu importe, tu vois, va contrer cette partie-là. Va faire en sorte qu'elle va dire Ah oui, je sais que cette offre-là, elle va être indépendante de ce qui se passe autour. Et ça, c'est très important, des circonstances. Ça, c'est super, super important. Dis-moi dans les commentaires si, à ton avis, tu as structuré ton offre pour qu'elle soit, tu vois, irrésistible. Et par irrésistible, j'entends qu'elle réponde aux objections de ton client. C'est ça l'idée. C'est très important que l'offre réponde aux objections du client. Et bien sûr, bien sûr, l'offre doit avoir un retour sur investissement perçu pour ton client. D'accord Quand on donne 100, on ne va pas récupérer 100, on va récupérer 200, 300. Idéalement, tu fais du 1 pour 10, c'est parfait. Tu fais du 1 pour 5. C'est cool aussi, tu vois. Le mec, si tous les jours, il y a quelqu'un qui vient de dire Ouais, à chaque fois que je, je donne 1000 euros à Gaël, j'en récupère 5000. Man, tu fais cette transaction-là combien de fois Mais à l'infini. Réfléchis, quoi. C'est un peu, c'est ce que je dis souvent, tu vois. Dans mon taf, en tant que consultant, en tant que coach, copywriter, <coughs> marketing direct, je me vois comme un. Si tu veux, c'est comme si je vendais de l'argent à tarif réduit, tu vois. Quand mes clients viennent me voir, quand ils suivent mes conseils, quand ils prennent mon consulting, ils m'achètent de l'argent à tarif réduit. En gros, pour faire simple, quand ils me donnent, quand ils prennent mes services, ils vont payer X. Mon objectif, c'est qu'ils récupèrent 5 fois, 10 fois X. Et quand tu réfléchis, tu te dis, mais attends, mais ça, ça marche bien. Là. On va continuer à faire ça, tu vois. c'est ça, c'est cool, tu vois. J'étais au téléphone tout à l'heure avec un... Avec un, un client, on avait juste fait un petit appel, tu vois, de un, no, 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 enfin, je lui ai fait un audit d'une de ces pages. Ils ont mis, un, ils à jour en suivant mes, mes recommandations. Et là, j'ai eu au téléphone là pour, pour un premier appel de consulting et me dit « ouais, on a juste mis en place les deux trois trucs que tu nous as dit et déjà il y a une grosse amélioration euh, par rapport justement au nombre de conversions, au nombre de personnes qui prennent des rendez-vous avec nous. C'est super. Et tu fais mais attends. Excellent quoi, excellent. Donc, vas-y tu vois, vendre de l'argent à discount tu vois, c'est un peu euh, C'est les soldes quoi, c'est les soldes de l'année quoi. Donc voilà, offre, offre numéro 2. Très très important, ça c'est un, un deuxième préliminaire du webinaire avant de faire un pour faire un webinaire persuasif, tu dois avoir une offre qui soit structurée de cette façon-là et peu importe ce que tu vendes, tu vois, peu importe ce que tu vends, que tu vendes des formations, que tu, tu vendes des objets physiques. Faut que tu la structure de, de façon à hein, toujours détruire les objections de tes clients. Très important. Numéro 3. Numéro 3, alors ça c'est absolument clé. Le numéro 3, est-ce que tu es, es prêt Mais moi dans le chat, si tu es prêt, je dis, ouais, yeah, je suis prêt, on est chaud, euh, c'est parti, on va envoyer du lourd. Euh, parce que je veux vraiment le troisième. Et le troisième, honnêtement, quand tu vas le découvrir, tu vas te dire, ah ouais, en fait j'ai déjà toutes les réponses qui sont là, qui sont présentes. Et euh, j'ai fait un atelier ré récemment où je suis intervenu au mastermind de Philippe Béja et je leur ai montré comment procéder euh, justement pour faire une, une étude de ce que je vais te montrer. Et les gens étaient là. Waouh, mais il y a déjà tout ça qui est en ligne. En fait, tu as déjà quasiment tout en ligne. Et quand tu pars de cette base, ça te permet vraiment de, de booster et d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça, le numéro 3, c'est vraiment, vraiment top. Ah, Rodolphe, merci, il me dit qu'il n'est pas... Rodolphe il n'est pas prêt, il est très prêt. Mec il est born ready on dit en anglais, il est né prêt. Merci, merci Rodolphe pour cet engagement, ça me fait très plaisir. C'est génial. Bienvenue très près, super, super. Et bien alors je te le donne, c'est cadeau, c'est pour toi, toi qui es assis derrière ton écran. Le dernier c'est ça, tu vois. Le dernier, ça va te paraître très très simple, et pourtant c'est tellement puissant. C'est le marché. C'est d'analyser ton marché, c'est d'étudier ton marché. Alors qu'est-ce que j'entends par étudier ton marché Tu as deux aspects à ça. La première chose, c'est d'étudier tes concurrents. Les personnes qui offrent des produits similaires aux tiens. Okay Donc quand tu regardes les personnes tu vois, qui offrent des produits similaires aux tiens, tu vas regarder leurs promesses. Quelle est la grosse promesse qu'ils mettent sur leur site Et là, tu vois très bien si la personne va te parler euh, de fonctionnalité, de ce qu'ils vendent ou s'ils te parlent des avantages et des bénéfices. Et quand ils font ça, regarde la manière dont ils l'articulent. Et toi, ton objectif dans ton marketing, c'est d'escalader, de faire en sorte d'avoir un meilleur marketing, une meilleure façon de parler de ce que toi, tu proposes. Ça, c'est super, super important. Donc ça, c'est tes concurrents. Regarde également, donc ça, c'est la première chose, leur promesse. La deuxième chose que tu dois absolument regarder, c'est le lexique qu'ils utilisent. Les mots que tu vois qui sont récurrents, qui reviennent dans le langage. Pourquoi Parce que c'est très certainement les mêmes mots qui vont être utilisés dans, euh, par leurs clients. Donc ça, c'est très important. Surtout s'ils si sont leaders du marché, ça va être super important. Et le troisième point, c'est ton client. Dans le marché, tu vois, as, et ça, ça peut même être lié, tu vois, au client idéal. C'est un petit peu entre, entre le client idéal et le marché. Parce que tu vois... Le client, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'on fait en 2020 Et même depuis des années hein, encore avant. Qu'est-ce que les gens adorent faire Et je, Encore une fois, j'avais la conversation cet après-midi. Les gens adorent laisser des revues. TripAdvisor, tu as des revues. Euh, Amazon, t'as as tout le système des étoiles. Tu vas sur Cora, tu vas sur des forums. Les gens parlent. Les gens racontent l'histoire de leur vie sur Internet. Et les gens te disent quand ils sont contents ou pas contents par certains produits, par certains services. Et quand c'est le cas, toi, bon petit marketeur que tu es, personne qui suit mes conseils, il faut que je le fasse pour toi, regarde ce que ces personnes disent, regarde ce dont ils se plaignent, regarde ce qui ne va pas dans leur business, regarde ce qui ne va pas, euh, par exemple, si tu es dans la perte de poids, dans leur perte de poids, qu'est-ce qui ne va pas euh, on avait fait justement une, une étude en direct de, 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 pi, de pilules amincissantes. On voyait, voyait très bien, très clairement, dans les commentaires Amazon, les problèmes que les gens avaient. C'était flagrant. Donc, si tu vends ça, tu sais déjà ce sur quoi tu dois insister et répondre. Parce que les personnes qui se sont plaintes, qui, qui se plaignent, ça ne va pas être les seuls, il va y en avoir d'autres. Donc, en fait, c'est ça, toi, tu vas leur parler à ces personne. Dans ce qui s'appelle, tu vois, l'inconscient collectif. Ça, ça te parle, ça L'inconscient co collectif Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je te parle d'inconscient co co collectif J'espère que oui. Et ça, tu vois, ça, c'est clé. C'est comme ça que tu étudies un marché. C'est comme ça que tu comprends comment vendre et comment parler à ton audience. Donc, très, très important. Donc, les trois points qu'on a vus ce soir pour attaquer justement les préliminaires d'un du, webinaire persuasif, c'est première chose, le client idéal, deuxième chose, avoir une offre qui est puissante, troisième chose, bien comprendre son marché. Et ça, c'est absolument clé. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on le fasse ensemble, c'est simple, j'ai mon atelier le lundi 10 février à Paris. À l'heure actuelle, euh, le tarif, c'est à 697 euros euh, hors taxe. T as le lien juste sous la vidéo. Donc, je te recommande vraiment de prendre ta place pour... Voilà. Que ce soit un truc qui soit fait une bonne fois pour toutes et que tu plus à te faire chier à faire ton webinaire, à galérer tout seul, tu vois. Parce que tu vois, comme je dis, personne ne se lève le matin en criant ⁇ Ouais, je veux faire un webinaire oh, !⁇ Non, viens avec moi. Boum, fais en sorte que, bim, ce soit fait rapidement. Tu sais, c'est comme quand tu retires un, bam, un pansement. Tu veux, bim, que ça soit retiré rapidement. Bah là, c'est pareil. Moi, je suis le... Je le, te retire le pansement webinaire, quoi. Rapide indolore tranquille ça passe donc voilà donc c'est lundi 10 février à Paris euh, donc prends ta, ta place t'as le lien qui est juste en dessous et puis sur ça tu vois on se voit dans la prochaine vidéo épisode 74 je vais continuer un petit peu à développer par rapport au, au préliminaire du webinaire parce que c'est tellement important tellement vital et ça a tellement tu vois un effet de levier immense euh, qu'il faut absolument que tu aies ça qui soit fait de manière correcte dans ton webinaire sinon c'est mort tu vas y galérer et j'ai pas envie de te le faire galérer, tu vois. Enfin, tu peux me galérer si tu veux. Mais si tu veux galérer, qu'est-ce que tu regardes Les vidéos. Qu est, qu est... Si tu veux galérer, arrête de me regarder. Et va regarder, j'en sais rien, la télévision. Va regarder, euh, va regarder des chaînes de jeux vidéo. Tu vois. Mais si tu veux aller vite, si tu veux être... boum, Retirer le pansement au webinaire rapide, lundi 10 février, à Paris. Galérer. T'as le lien dans la description. Sur ça, prends soin de toi. Je te dis à très très bientôt. Et il continue toujours à être à être extraordinaire. Allez, ciao.